There's something particularly attractive about English music from before the Civil War, because it was a fugitive culture. It feels doomed. L'idée du Consorts Monument, c'est de montrer le côté monumental du Consorts et de faire un clin d'œil à un auteur du XVIIe siècle qui s'appelle Thomas Mais. Il a écrit un gros traité qui s'appelle Music's Monument. Et il parle notamment de ce qu'on faisait au bon vieux temps, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle. Et il raconte un peu comment étaient les viols de gambe. Il cite une dizaine de compositeurs dont on jouait la musique. Des fantaisies, des danses, etc. Et donc mon idée, c'était de lui rendre hommage, de faire un clin d'œil sur un programme qui s'appelle Consorts Monument, et de prendre des pièces de ces une dizaine de compositeurs, et de faire entendre une sorte de florilège, d'anthologie de consorts de viol anglais, donc du début du XVIIe siècle jusqu'à la deuxième moitié du XVIIe siècle. Alors ça, ce sera probablement la première pièce du disque. Ça marche bien. Ça, c'est fait. Voilà. 62. 62. Ou 61. Toi, tu comptes 61. 61. Alors, ça commence à devenir mieux. Est-ce qu'on peut faire juste les viols? Du même endroit? Juste pour rire. Quelque chose que je trouve intéressant dans l'idée d'avoir un ensemble de musique ancienne. Prenons un peu tout ça comme un laboratoire. Ce répertoire du XVIIe, du XVIIIe siècle, de se dire que, partir du principe qu'en fait on ne sait pas comment c'était joué, on ne sait pas comment ça sonnait, et que ce qu'on fait aujourd'hui est très beau, mais que c'est peut-être très très loin de ce qui était fait à l'époque. Je trouve intéressant ce côté un peu archéologie musicale pour essayer de faire parler la musique le mieux possible, pour la rendre la plus belle possible et pour qu'elle touche le mieux possible. L'idée, c'est de réunir des viols de gambe qui sont toutes construites par le même luthier et qui sont construite avec les mêmes principes de lutherie, donc typiquement anglais, et qui en plus, et ça c'est quelque chose que Thomas Mais décrit, c'est l'idée que les instruments sont proportionnés les uns avec les autres. C'est-à-dire que la longueur de corde vibrante, ce qu'on appelle le diapason, du dessus, donc de la petite viole, fait exactement la moitié de la grande basse. Ce qui fait que du coup c'est un peu comme les tuyaux d'un orgue. Just something very melancholy and affecting about the music of that time, and the viols have that. They have that very gentle and rather contemplative sound. And the funny thing is that the music of the time
the professionals would have played the organ and the gentlemen would have played the viols. So the organ was an essential part of the ensemble. And what really frustrates me actually is that these organs do survive in England, but the viol players in England have never gone to play with them. I'm an English organ builder. We have a particular interest in historic English organs, and particularly in recreating the ones that are no longer used or don't survive any longer. And this organ that's being used in this recording is a reconstruction of an early 17th century English chamber organ. Funny things in organ building, partly because it's a wind instrument and you can't see the wind, you can't see the way it bends and where it goes. So you know, it is quite difficult to be absolutely certain, but you'll be close, yeah. In fact, you'll probably be closer to the original sound than any of the other instruments. Souvent, un beau son de concert de viol est comparé à un beau son d'orgue. Et évidemment, on se pose tout de suite la question, ok, ça ressemble à un orgue, mais quel genre d'orgue, quel type d'orgue? Et il y a les orgues anglais qui peuvent nous mettre sur cette trace de la recherche du son similaire entre son du concert de viol et son d'orgue. En fait, de cette époque, la seule chose qu'on pourrait garder comme trace sonore vraiment véridique, comme si on avait un enregistrement, parce qu'évidemment il n'y a pas d'enregistrement du XVIIe siècle, c'est le son des orgues, et en particulier on a la chance d'avoir des originaux, des orgues qui étaient joués en consort de viol, très précisément. C'est-à-dire ça, vraiment quelque chose de très précis qu'on peut copier, donc c'est le cas de l'instrument avec lequel on joue. Dominique Gwynne, ce merveilleux facteur qui est le grand spécialiste de la facture de ces orgues, a copié un orgue qui, on savait, était joué avec des viols. Quand on parle d'instruments aussi volumineux et quand même chers, voilà, il faut avoir d'autres partenaires aussi, à part les musiciens, pour nous accompagner dans ces rêves un peu fous. Et c'est là où François Rieland, dont le métier est de faire partager au monde musical comme ça des instruments à clavier extraordinaires. Et il s'est mis là-dedans d'une volonté surprenante. Et donc, on a été à nouveau en Angleterre, revoir les originaux, voir l'atelier de Dominique, du coup, poser des questions beaucoup plus techniques. Et un beau jour, Dominique nous dit, ça y est, c'est prêt. Il l'a amené à Londres. Je suis allé avec François, donc cette première rencontre sur sol anglais. Traversé plusieurs fois la Manche avec Andreas, j'ai rencontré donc le facteur d'orgue Dominique Gwynne et décidé donc de mettre la main à la pâte en investissant dans cet
Astorga à quatre jeux, qui est tout à fait intéressant. Et pendant la construction de l'orgue, le facteur parisien Jean-François Brun, toujours sous l'impulsion d'Andreas Linos et de l'Aquéron, a conçu donc ce virginal. Et je me suis dit, bon, tant qu'à acheter un orgue, pourquoi pas compléter avec ce virginal. Et voilà, donc maintenant je suis le dépositaire de ces deux instruments et j'espère qu'ils vont être beaucoup joués et qu'ils vont susciter l'intérêt non seulement du public mais aussi d'autres musiciens. Le virginal, on en a un exemplaire existant parmi la vingtaine qui existe encore en Angleterre de cette époque-là, donc autour de 1600. C'est un instrument à cordes qui sont pincées. Un orgue, c'est des tuyaux qui reçoivent du vent et qui les fait parler. Donc là, la seule chose qui est commune, c'est qu'il y a un clavier. Et moi, en fait, c'est aussi différent qu'une flûte et un violon. Le virginal anglais n'est pas du tout connu du monde musical ancien actuel. Pourtant, il y a un énorme répertoire qui est très souvent joué, mais pas du tout sur les bons instruments. Donc il y avait quand même cette curiosité avant tout, mais comment sonne un virginal anglais? Donc Jean-François Brun s'est mis à copier un virginal anglais, et le moment de la livraison a été assez magique parce qu'on a découvert un son assez inouï. Et ce qui s'est passé maintenant, qu'on ne soupçonnait pas, parce que le virginal et l'orgue aussi sont rencontrés pour la première fois, c'est qu'ils ont vraiment des caractéristiques communes dans le spectre. Bon, il y a après des choses techniques, mais disons l'aigu ou certaines parties de leur étendue se ressemblent énormément. Donc c'est assez fascinant de voir tout le microcosme qu'on est en train de créer entre les sons des viols, de l'orgue et du virginal. Non, t'es pas si vite. Hein. Hasn't happened to us before. And so for the last 30, 35 years, I've wanted to hear you know, music like this played with the organ. And it's tremendously exciting. It's one of the ways in which an instrument builder can contribute to the music, because you're building an instrument without which the music couldn't be played, and that's quite a privilege, really. Yeah, so it's most exciting.